C'est parti. KC versus BDS. Le gagnant, ce BO7, ira affronter Gentlemates en finale. Ils devront enchaîner deux BO7 d'affilée quasiment. Espérons qu'il y ait au moins 15 minutes de pause. Allez, Ato, Vachira, Rise, face à Drali, Exotic, Monkey Moon, c'est parti. Et c'est remporté par Rise ici qui vient directement dans les airs bloqués par Exotic. Ato ici qui vient la fake un petit peu on dirait. Pour Ryze, on va tirer sur le côté qui va venir récupérer pas celui. Il va être récupéré par Ryze de l'autre côté. Ryze ici qui vient chercher un 50-50 alors qu'il n'a pas de boost. Et qui en partant récupère une démo. Récupéré par Vatira pour la mettre sur Ryze directement qui vient chercher un flip reset. Ato la. Récupéré par Drali. Vatira qui fait qui drague. Ato qui vient chercher sur le backboard mais c'est bloqué par Drali, récupéré par Vatira mais de nouveau Drali qui vient empêcher la passe mid. Vatira de nouveau. Drali encore une fois qui vient bloquer les joueurs de la KC. Et c'est récupéré par Monkey Moon. Va tirer sur Ryze directement, la frappe directe, c'est bloqué par Exotic. Exotic qui a cru qu'on lance le match contre son ancienne équipe. Et oui, du coup. Exotic. Et pareil pour Ryze de l'autre côté. Et oui, du coup. Il y a eu un échange. Il y a eu un échange de joueurs et les deux joueurs affrontent leur ancienne équipe respective. Attention, Ryze ici qui vient chercher le bump. Et c'est bloqué par Monkey Moon. La lucarne était sauvée. Vatira qui la remet dans les airs. C'est bloqué par Monkey Moon, mais récupéré par Ato. Drali qui vient le remettre dans le corner. Vatira qui temporise. Mais Drali vient chercher le 50-50 en faveur de BDS. Monkey Moon, Ato la récupère sur Vatira directement. Est-ce que Ryze va venir la chercher? Non, c'est bloqué encore une fois. Double défense. Ouh, attention, le pinch ici qui pouvait être très dangereux si c'était cadré. C'était maîtrisé par Ato qui attendait. Mais Ato qui était dans les cages. Effectivement. Sur Vatira. Vatira ici. Un reset. Le fake qui reset. Va pas l'utiliser. Le 50. Ato qui se fait des beaux. Vatira sait comment jouer Exotic. On peut dire qu'il y a un avantage, mais Monkey Moon sait comment jouer Ryze. On peut dire qu'il y a un avantage. Ça s'annule. Et Ato sait reset. Et Ato il freestyle. Oh, le bump ici sur Exotic. Drali qui la récupère dans le corner. Ryze qui la continue. Ça va être pas très bizarre dans ce corner. Vatira le pinch sur le backboard qui l'envoie dans le corner opposé, récupéré par Ato. Ryze qui était là directement. Vatira est tout seul au niveau de la défense. Il la remet sur Ato qui va la remettre sur Ryze. Oh, Ato qui la joue au sol. Ryze, mais c'est bloqué par Exotic. Je ne vais plus avoir de voix demain. Je le sens. Vatira sur le backboard. C'est bloqué par Ryze directement sur Ato. Le rebond bloqué par Drali. Défendu par Exotic. Monkey Moon qui va chercher l'aide de le 50-50
qui ne va pas l'empêcher de venir chercher la double tape à moins d'une minute de la fin. Une double tape avec un angle sorti du turfu. Qui va remporter par la Carmine. Avec le Rise fake qui de Rise. Atto, ici, qui vient chercher le sailing. Vous voulez chercher le bump, c'est raté. Vatira qui récupère la balle, qui part en l'air. Oh, Vatira qui cherche un balle. Atto qui est tout seul, il la contrôle. Qui est en passe 1. Ah, qui a voulu aller chercher le bump sur le deuxième. C'est récupéré par Vatira qui avait dû la jeter sur Ryze. Attention, Ryze. Oh, sailing. Dommage, on a pu potentiellement apercevoir un pinch Atto. Avec Atto. Attention à cette balle dans l'axe, Atto qui va venir la clear avec 0 de boost, c'est récupéré par Vatira malheureusement. Et ça fait 0-1. 1-0 pour BDS. C'est des matchs qui s'avèrent du coup très serrés, comme je pouvais m'y attendre. Un seul but de Monkey Moon qui vient chercher une double tape sortie de nulle part. Une grosse défense un côté BDS. On va le voir ici, là. Oh là 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 là. On a quand même une domination de cassé. Grosse défense de Monkey Moon. Enfin, de BDS en général. Oui. La cassée est très agressive, mais BDS tient bon. Ils se sont fait trouver l'ouverture pour casser. Ouais. On a un exotique qui est très solide sur la ligne, tout comme Monkey Moon. Drali qui vient chercher énormément de 50-50 pour empêcher Carmine d'avancer. Et c'est parti, game numéro 2. 1-0 pour BDS. Vatira qui vient chercher directement ici le sailing via le corner. Attention, Monkey Moon, la défense de Ryze. Sur la ligne, qui va se faire bump. Attention, il n'y a plus personne en défense à côté de Carmine. Attention, on va se jeter à tout. Vatira qui vient chercher un pinch. Leur permet de se repositionner. Oh, Ryze qui vient jouer au sol, mais Exotique qui avait vu le tir venir. Et malheureusement, c'est open. Et qui derrière, il n'y avait plus personne. Je pense. Vatira qui est venu chercher ici. Je le 50. Chez Carmine, ça a attendu un 50 de Vatira. Ouais. Qui n'est pas arrivé et du coup, bah, derrière, c'était open. Attention, pas sur surprendre. On va tirer ici qui se précipite un petit peu. Ouais, attention, c'était quelques erreurs. Ryze sur Atto, tout seul face à Drali. Et Monkey Moon qui vient sauver le 50. Atto directement, c'est bloqué par Drali qui passe Ryze en plus de ça. Attention, Vatira qui se fait bump, c'est open, c'est défendu par Atto une deuxième fois. Attention, BDS qui impose leur rythme de jeu. Le double tap et le bump qui vient offrir ce but pour Monkey Moon. Carmine en difficulté là pour ce deuxième match qui subissent le jeu de BDS. Le 50 exotique sur Atto.
reste 3 minutes. Tout peut se faire. Drali qui vient la clear. C'est bloqué. Parato. Exotique devant les buts. Rise qui n'a pas le boost. Attention, la frappe ici défendue par Drali. Rice qui la remet dans l'axe directement pour Vatira qui vient chercher le petit filet et remonter au score 2 à 1. L'outplay de Vatira ici sur Monkey Moon. 2 à 1, 3 minutes de jeu, attention à ne pas prendre le kick-off goal. Rise dans les airs face à Drali, le 50. Monkey Moon qui récupère la balle, le sailing, le flip reset, c'est défendu par Vatira. Rise qui la dégage, récupéré par Drali directement, mais Ato est sur le backboard. Vatira dans les airs, qui vient chercher ici le 50. Il n'y avait plus assez de boost pour aller chercher soit le sailing ou un flip reset. C'est bloqué par Exotique qui la renvoie directement loin devant. Vatira sur Rise. Vatira qui va. Il l'a fait que pour Ato. Attention, ça peut être très dangereux. La défense de BDS ici, il s'est fait surprendre. Et qui permet à Vatira de venir chercher, grappiller ce petit but. Égalisation. 2-2. Rise ici qui vient chercher directement sur le mur. Rise qui se bat. Monkey Moon, attention, il a du boost, il part loin, très haut dans les airs. Est-ce qu'il va chercher un bump? Non. Oh, la double ce qui a permis à Vatira de défendre cette frappe. Vatira ici qui vient chercher une grosse défense sur le backboard. Qui a la balle, qui est en passant du joueur. Rise qui vient aider. Exotique qui s'est fait bloquer par Rise. Drali qui met une grosse frappe devant. Ah, et c'est récupéré ici par Exotique. Il fait un magnifique redirect qui a surpris Ato. Le 50 ici de Vatira qui n'a pas réussi à arriver à temps. Qui permet à BDS de remonter 3 à 2. Ato ici qui vient chercher une frappe directe, c'est bloqué par Exotique. Monkey Moon directement sur le mur, c'est bloqué par Vatira. Ato le reset, le Messi. Drali sur le corner, le flip reset. Attention, Rise est le dernier défenseur. Le pinch ici avec Exotique. Le 50 remporté face à Monkey Moon. Rise sur le backboard. Monkey Moon la récupère. C'est passé. Attention, c'est open. Ah. Exotique ici qui vient inscrire le quatrième but. Ouais, Vatira qui s'est fait un peu outspeed. Et Ato qui ne s'attendait pas à ce gros dégagement. Attention, elle a cassé, elle a l'air d'être en difficulté. Il reste moins d'une minute de jeu. Donc ils arrivent à remonter de deux buts. Non, ce sera de jeu. Deuxième victoire pour BDS. Vatira ici qui vient chercher le 50. Remporté magnifiquement. Ato dans l'axe directement, c'est bloqué par Exotique. Exotique en légende, la démolition de Monkey Moon. Mais open chez la Carmine. Ouais. Vatira ici qui se fait éliminer. Il n'y a plus personne en défense du coup. 5-2 à 27 secondes de la fin. Ça va être un petit peu compliqué pour remonter tout ça. Ato ici qui n'a pas de boost, qui la remet au centre. C'est bloqué par Monkey Moon. Vatira le 50 face à Exotique.
Raiz qui essaye de temporiser. Ça va très haut dans les airs. C'est récupéré par Monkey Moon. Nato qui vient bloquer. Exotique qui va venir chercher la double tape. Non, c'est bloqué par Vatira. Attention, ici la frappe pour Raiz dans l'axe. Mais c'est bloqué par Monkey Moon. Deuxième victoire de BDS. Attention, la Carmine se fait devancer. Ils subissent le jeu de Carmine. Beaucoup d'open. On le voit ici, un open. Là, un petit bump qui empêche la défense de revenir. Tato qui se fait surprendre. Et là, encore une fois, un open. Et un open. C'est à moitié tant des open que Exotic qui envoie des frappes de malade. Exotic qui est en légende sur ce match, on peut le voir. 7 arrêts, 6 tirs pour 4 buts. Ouais, le time-out demandé par la Carmine. Ouais. Ferra qui va essayer de remettre à peu près en forme. Ouais. Faut dire les termes, la Ferra. Il faut remettre les joueurs d'aplomb et ne pas laisser BDS garder ce momentum, sinon ça peut être très compliqué. With the new side, with BDS, it's a career record, it's a career high score for Exotic. He's done it in a semi-final on Championship Sunday against K-Corp. BDS, as we said, the best possible start. And I keep thinking about that first semi-final. The timeout came at the exact same moment for Vitality. They were able to respond in Game 3. Can K-Corp do the same? Are we going to see a similar series to that one? Again, it's already been flipped on its head. I saw talks after that first semi. Okay, this one's just going to be a 4-0 to K-Corp. Well, think again, ladies and gents, because the blue wall is in trouble early. Espérons que ce time-out demandé par la Carmine leur permette de remonter au score. C'est parti, Game 3, 2-0 pour BDS. Oh, la démolition ici sur Monkey Moon. Zotik pour défendre. Zotik qui a l'air d'être en légende aujourd'hui. La double tape ici pour Raiz. Malheureusement, ça ne passe pas. Attention, il n'y a plus de défense du côté de la Carmine. Et c'est le but de Monkey Moon. Frère, une patate qu'il envoie Exotik. Ah mais Exotik, il est en légende aujourd'hui, vraiment, il est... Bah, il a toujours été bon là-dessus, c'est le scoreur et tout ça. Mais... Exotik ici qui vient chercher la lecture du ceiling, c'est défendu par Raiz au niveau du backboard. Il n'y a plus beaucoup de boost, Drali dans les airs, Drali le reset, c'est bloqué par Vatira. Et dégagé de l'axe par Raiz. Où est-ce qu'il n'arrive pas à cette balle? Va tirer qu'il a remis au mid, il n'y a personne. Raiz qui contrôle. Raiz le contrôle qui tente de passer. On va tirer, mais va tirer n'a pas de boost, il ne peut pas continuer cette balle. Monkey Moon contre Ali. Ali qu'on voit un peu moins pour le moment. Oh, très bien joué ça de la part de la Carmine, mais ça a été défendu. Attention, ça n'est pas passé loin d'un poteau. Et attention, le 300 en attaque, contre-attaque de Drali. Attention, le double commit là, de Ato et Vatira. Personne en défense.
Moins 1, c'est... Ouh, double poteau ici de BDS. La Carmine qui est en difficulté. Ils subissent vraiment le jeu de BDS. Et encore une fois, une démolition. C'est défendu par Vatira et Atto. Atto ici sur le mur, dans le corner. C'est renvoyé par Monkey Moon sur Ryze directement. Il y a des démolitions de partout. Je ne comprends plus qui est vivant, qui ne l'est plus. On va tirer actuellement. Récupéré par Monkey Moon. Rallye, le reset. Mais ça fait pas Atto qui l'envoie directement sur Exo. Rallye au pour Exo. Ryze qui va le laisser à Vatira. Vatira tout seul, c'est défendu par Exotic. Viens chercher en plus un bump sur Ryze. Attention, il n'y a plus personne en défense. Et Monkey Moon qui vient chercher un 50 favorable pour passer le deuxième bus. C'est en train de se faire détruire sur le... Ça n'a pas le contrôle du match et du coup bah, ça subit et ça arrive pas. Hey. Ouais, mais la Carmine le savait hein, hier. Savait qu'ils allaient devoir jouer un gros match. Gros BO. Face à une équipe de BDS qui est vraiment en forme pour le coup. Bah, ils étaient un peu moins en Swiss Round, mais disons qu'ils ont des. Bah, Ferra le disait hier en interview, ils ont des hauts très hauts et des bas très bas. Oui. Et il faudra juste voir lesquels BDS. En face, et là, c'est un autre BDS. Et là, c'est un haut très haut là qu'ils ont BDS. Ouais, j'ai l'impression que le sort s'acharne pour la Carmine. Où la finale se joue en demi-finale. Parce que si on a une équipe comme ça face à BDS à Gentle Mage, je pense que. Parce que d'être compliqué. C'est récupéré par Ryze, défendu par Monkey Moon, sur Atto qui vient la chercher très haut dans les airs, le ceiling, et la frappe directe par Vatira. C'est pas fini. C'est pas fini, il reste encore une minute pour aller chercher un but. Ils sont encore... 4 games pour rattraper leur retard. Monkey Moon ici qui vient défendre l'assaut de la Carmine. Le bump sur Drali qui laisse le contrôle à Ryze. Oh, et Vatira ici qui vient chercher le petit trou de souris pour la mettre au fond des filets. Monkey Moon qui a sauté. Du coup, Exotic qui s'est fait surprendre par la flappe de Vatira. Ryze ici qui est venu chercher grosse lecture, c'est défendu par Vatira mais récupéré par Drali dans l'axe directement sur Atto. Atto qui vient chercher le bump sur Monkey Moon. Vatira qui vient chercher la frappe et la ride de Monkey Moon sur Exotic qui n'a pas de boost. Le 50 remporté par BDS sur Drali, ça va sur Vatira, Exotic. Et ce sera l'overtime pour cette game numéro 3. Attention, Drali qui l'envoie loin devant. Vatira qui défend sur le corner. C'est contesté par Monkey Moon. Ryze tout seul. Le 50 face Exotic. Atto qui se fait passer par Monkey Moon. Vatira qui vient chercher le 50. Attention, ce pinch qui peut être très dangereux. Pour la Carmine, Atto qui vient défendre de justesse sur le backboard. Il n'y a plus de boost de côté de chaque équipe. Ils ont tout donné.
La tira qui la remet en l'air dans le corner. Le bump exotique sur Ato qui vient chercher le dégagement. Drali. Attention Drali ici qui vient venir au play. Le joueur de la Carmine. Pas mal de démolition du côté de BDS. Ato tout seul dans le corner. C'est dégagé par Monkey Moon. Récupéré par Vatira, le flip reset. Attention, cette balle qui peut être très dangereuse. La défense de Ryze, mais c'est remis dans l'axe. La défense, encore une fois, de Ryze qui vient chercher le 50 face à Drali. Attention, exotique ici qui loupe. Drali qui la remet sur le wall pour Monkey Moon qui a du boost qui part dans les airs. Le flip reset récupéré pour le 50. Ryze qui l'envoie loin devant pour Vatira. Vatira s'est défendu malheureusement par Monkey Moon dans le corner. Qui va repartir dans les airs. Attention, je ne sais pas ce qu'il fait. Ato, Vatira. Attention, il n'y a plus personne en défense du côté de la Carmine. C'est défendu par Ato. Vatira qui la remet dans les airs, qui contrôle. Le flip reset récupéré pour passer un joueur. Le bump sur Drali. Malheureusement, il n'y avait personne pour continuer la balle. Ato qui se fait démo par Drali. Et le passage de Ryze. Ato ici qui est venu chercher la lecture corner. Attention, cette balle peut être très dangereuse. C'est défendu par Vatira. Et c'est récupéré directement par Monkey Moon sur Exotic. Qui vient chercher ici le sailing. Attention cette balle. Drali, le tir direct. Le bump cherché sur Ryze. C'est défendu par Vatira. Ato directement qui vient la remettre droit devant. Sur Drali. Dans les airs. Attention. Le flip reset. C'est défendu par Ato. Exotic non. Ça va être contré. Attention, exotique le tir ici, mais c'est défendu par Vatira. Vatira qui part loin dans les airs, c'est défendu par Drali. Ato qui va venir chercher un contrôle. Ato sur le sailing, non, c'est bloqué par exotique. Et du coup, c'est une très belle balle pour Drali qui va venir chercher le dégagement. C'est récupéré par Ryze qui la met 3 devant. Exotique la récupère. Ato sur le backboard qui la remet droit devant. Il n'a plus de boost, il a l'est pour Vatira qui repart dans les airs mais c'est bloqué par Monkey Moon sur le backboard. Le pinch ici d'exotique mais bloqué par Ryze pour Ato directement qui repart dans les airs. Le flip reset récupéré. Non, non malheureusement c'est défendu par exotique. Vatira qui vient chercher une frappe. Ryze, attention il n'y a plus personne en défense du côté de BDS. Mais également du côté de la Carmine et la défense de Ryze ici qui l'a remis sur le backboard. Attention à cette balle, Ryze encore une fois qui vient défendre. Mais cette balle peut être très dangereuse. Drali sur le backboard et c'est une crossbar sortante. La Carmine s'en sort extrêmement bien. Ryze ici qui vient chercher la balle sur le ceiling directement. C'est défendu par Monkey Moon et Exotic. Monkey Moon qui l'a remis directement sur Ato. Ato qui vient chercher ici la double tape. Attention, le on goal qui a failli être de la part d'Exotic. Ryze qui est dans les airs. Le sailing qui a été récupéré. Ato dans les airs. Il peut rien faire. C'est défendu par Monkey Moon. Ato encore une fois sur le wall. Le 50 récupéré par Ryze. Vatira, le dernier joueur qui vient chercher ici une passe pour Ato. Ato qui vient la chercher pour Vatira. Non, c'était Ryze. C'était Ryze. Ato ici qui vient chercher une défense. Vatira ici qui est légendaire sur sa ligne. Ryze qui vient chercher le 50. Attention, ça peut être très dangereux. Mais c'est défendu par Ryze. Attention à la frappe d'exotique. Mais ça la remet sur Ato directement loin devant. Exotique qui avait vu la frappe venir. Ryze qui la récupère. C'est récupéré par Drali. Qui fait la lecture du wall. Attention, Monkey Moon ici dans le corner. Qui la laisse pour Exotic. C'est défendu par Ato. Qui la remet sur Drali. La double démolition. Attention, ça peut être très dangereux là pour la Carmine. Qui se retrouve en infériorité numérique. C'est défendu par Vatira. Le reset pour Drali. Il n'y a plus personne.
Encore une fois, le reset, non. Ah, Monkey Moon qui loupe cette balle et qui surprend la défense de la Carmine, qui s'attendait à une frappe de Monkey Moon, mais c'est Exotique qui est venu chercher cette balle pour la mettre directement dans la lucarne et permettre à BDS 3 à 2. Attention, la BDS qui vient chercher. Troisième victoire de suite. La Carmine en difficulté. Malgré cette overtime très 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 serrée. Oh. Mais là, c'est la dernière chance pour la Carmine. Reverse sweep. Sinon, sinon c'est 0-4. Quoi. Oui. Ça fait mal. Ouais. Offensivement, c'est compliqué pour les. Atto est quand même. Bah, défensivement il est là, mais offensivement il est quand même un peu absent. C'est Rice qui gère quand même. Qui gère pas mal l'attaque. Ouais, on le voit quand même. Ouais, on a 13 tirs du côté de la Carmine. Ça ne suffit pas, la défense des BDS, c'est vraiment extrêmement solide. Et on est parti pour la game 4, potentiellement la dernière. Il faut pas que la Carmine se fasse surprendre. Il faut absolument remporter ce match et les prochains s'ils veulent accéder à la finale. La démolition du côté de BDS. Atto qui vient la mettre de l'autre côté sur le mur. C'est défendu par Drali. Le 50 ici remporté pour la Carmine. La tira sur le mur qui vient chercher une démolition. Rise qui la remet dans les airs. Monkey Moon qui va la chercher. 50-50. Gagné face à Atto. La démolition encore une fois du côté de la Carmine. Atto qui la récupère, qui la remet au centre pour Rise. Atto tout seul dans les airs, défendu par Exotique. Rise qui y va. Monkey Moon dans les airs. Et malheureusement, c'est pas passé. Atto qui vient cut cette balle pour Vatira directement dans les airs. Et c'est défendu encore une fois par Exotique. Pas de boost hein, du côté de Atto qui vient ici se faire démo. Attention, le flic ici de Atto qui arrive à venir chercher le chemin défilé face à Drali. Vatira ici qui vient chercher le bump. Très très bien vu de la part de Vatira qui permet d'ouvrir le score 1-0. Attention, ici le kick-off goal, c'est à côté, les loupés de la part de BDS, Exotique dans les airs, c'est cut par Monkey Moon. Attention, ici c'est défendu par Atto. Attention, ici le bump sur Rise. Rise qui a essayé d'aller chercher une démo, mais visiblement Vatira s'est fait démo avant. Puis beaucoup de ressources là de la part de la Carmine pour assurer la défense. Atto qui contrôle. Atto qui évite une démolition, Atto qui a failli mettre une petite dinguerie alors qu'il était en difficulté. C'est récupéré par Rice qui va directement sur le ceiling. Va tirer le 50, ça va partir côté opposé. Récupéré par Drali sur le wall qui va partir dans les airs, bloqué par Rice.
Monkey Moon qui la remet directement dans l'axe. Oh, qu'est-ce qui s'est passé de la défense? Exotique qui vient frapper. Ah, et Monkey Moon qui vient chercher le bum sur Vatira, qui l'empêche d'aller sur la balle. Et Ato qui venait de revenir. Égalisation de BDS, un partout. Mais attention, Vatira tout seul dans les airs, ça a été défendu par Drali. Monkey Moon qui a du boost, qui vient chercher cette balle. Ryze pour le 50-50, dégagé par Vatira. Ryze encore une fois, tout seul, il n'a pas le boost, il n'a pas cherché le bump. Attention, cette balle peut être très dangereuse. C'est bloqué par Ato pour Vatira directement. Oh, Ato qui arrête le tir de Vatira. Ah, quel dommage là de la part de Ato. Il vient empêcher de venir chercher le but de la libération, mais il se rattrape extrêmement bien avec cette passe pixel perfect sur Vatira pour la mettre au fond des buts. Il se rattrape de son air. Allez. 8 minutes. 2-1. Vatira ici qui va chercher directement. Mais ça a été bloqué par Exotique. Allez les gars, on se fait pas avoir par des faux français. Attention, la défense ici, Exotique qui vient chercher l'égalisation. Drali qui la remet dans l'axe. Ah, ça drop juste devant Ato. Attention, le kick-off est en faveur de BDS. Drali face à Vatira. Attention à cette balle. Ça peut être très dangereuse, le plan B de Vatira. C'est récupéré par Monkey Moon qui l'envoie loin devant. Bloqué par Vatira, Drali, directement sur Ato. Ato sur Ryze et Ato ici qui vient anéantir la défense. Ryze, cette frappe et Ato qui vient l'accélérer 129 km/h. 3-2 pour Carmine. Attention, Ryze est le dernier défenseur. Vatira qui revient, mais il n'a pas le boost. C'est défendu par Ryze qui venait du backboard. Ça va toucher le sol, non. C'est bon. Le sol. Let's go. Allez. La Carmine qui vient chercher leur première victoire. 1-3. 3. C'est que début. Il faut qu'il fasse un perfect. Il ne faut plus qu'ils perdent un seul BO s'ils veulent accéder à la finale. Ils sont dans une situation très délicate. Comme je dirais un grand du Twitch français, ce n'est que le début. Ah, et le kebab d'Ato qui aurait pu les mettre dans une situation encore plus compliquée. Oh. Bon, BDS, eux, sont dans une situation où ils ont juste besoin de gagner une game. La Carmine doit en gagner 3 autres
Ils sont sous pression, ils sont dans une situation très délicate et c'est parti pour la game numéro 5. Et un kick-off goal évité de justesse par Drali. Puissant de commenter. Oh, ici la grosse défense de Drali pour venir bloquer Atto. Ah, est-ce qu'il est venu chercher le premier poteau? Malheureusement, c'est pas passé. Drali dans les airs avec Monkey Moon. Le 50 pour Vatira qui la remet sur Rice directement. Sur Atto. Attention, Drali, c'est une grosse frappe dans le corner, mais ça revient directement sur Atto ici. Non, c'était Vatira. Le bump ici sur Exotic. La démolition sur Atto. Et encore Monkey Moon qui vient chercher des démos à l'appel. Mais c'est open pour Vatira qui vient ouvrir le score 1 à 0. Darryl qui s'est foiré défensivement. Laissant un open à Vatira. Allez. 3-23-1-0. C'est récupéré par Monkey Moon sur Exotic directement, qui n'a pas de boost, qui vient essayer d'outplay, mais ça n'a pas fait mouche. Monkey Moon sur le ceiling, qui vient cut un petit peu de rallye. Et attention, Exotic qui peut venir chercher la double tap, c'est contré par la Carmine. Atto. Est-ce qu'il va aller chercher loin, mais c'est outspeed par Drali. Vatira qui a du boost, qui vient chercher. Vatira. Le ceiling, Atto face à Drali qui vient chercher un gros pinch défensif ici. C'est bloqué par Ryze et récupéré par Vatira. Le contrôle d'Exotique, il part sur le mur. Il a plus le boost, mais c'est bloqué du coup. Pour la Carmine, démolition évitée de justesse par Monkey Moon. Atto qui la jette sur Vatira. Ah non, c'était Rice, il y avait juste une seule Atira récupéré par Atto. Atira qui reprend Rice qui sait pas trop quoi faire. Oh, le gros pinch de Rice ici, mais attention. Oh, le 2 raté. Monkey Moon récupéré par Exo qui envoie une patate. Exotique et patate man. Alors, franchement, ces arrêts ils sont durs parce que quand. Il voit juste un léger open même compliqué à voir, il envoie une patate et c'est cadré quoi. Atto qui a eu son reset, qui va chercher un wall read. Attention, Vatira qui est tout seul en défense, qui va réussir à la dégager. Le wall read, c'est Exotique qui la récupère. Sur Exotique, qui va chercher un bon 50. Récupéré par Rice. Attention, Monkey Moon, la lecture, c'est le poteau. Exotique qui est le seul sur le côté qui a tenté de s'entraîner, c'est raté. La démo, Carmine qui reprend le contrôle de la balle. Oh, attention, Rice, le air dribble ici qui est venu passer presque toute la défense. Qui reprend le contrôle de la balle, mais très bon contrôle. Atto qui a failli mettre une double tape sortie de nulle part. Vatira qui a plus beaucoup de boost, mais il passe un joueur. Rice il a remis au centre pour Atto certainement. Oh, Vatira encore. Avec Atto maintenant. Il a voulu chercher la double tape. Ah, qui a raté le cut.
Rally qui l'envoie sur Ice, qui la continue, qui l'envoie devant, peut-être pour Vatira sur le côté. Vatira qui a tenté un... Oh, Vatira, le petit move ici qui a mis Ato un peu en difficulté. Attention, pas trop, il reste quelques temps, mais pas trop. Sur Vatira, mais ça va être remis sur Exotique. Qui va la récupérer. Drali dans les airs, Ryze pour contester. Ça va toucher le sol. Et c'est le 2-3 pour Carmine qui gagne cette game 1-0. Peut-être un timeout qui va être demandé par BDS, histoire de casser un peu le momentum. Ah là, si BDS demande un timeout, ce serait très bien joué de leur part, parce que là, Karamine, quand ils sont lancés, on ne les arrête plus. Là, ils ont compris. Ils ont compris leur erreur. Ils ont compris leur erreur, ils bossent dessus, il y a un peu plus de teamplay, ils se jettent moins sur cette même balle. Ils prennent plus le contrôle de la balle que tenter des contre-attaques directes comme ils faisaient sur les trois points. Ouais, ils envoient encore. Hein. De tirs, quoi. 4 à 3 tirs, c'est serré. Quoi. Il n'y a pas beaucoup de tirs, ça joue beaucoup au milieu. Ouais, le time-out demandé par BDS ici. Ouais, c'est logique. Il ne faudrait pas que la Carmine du coup perde ce momentum. Ou au contraire, faut que il y ait aussi un timeout auquel peut profiter Carmine, que Feral en dise ok les gars, vous avez compris, on continue à bosser. Ouais, voilà, j'ai l'impression que c'est ce qu'il fait, c'est vraiment continuer à les motiver de ok les gars, on a pris le contrôle. Là, il faut pas lâcher. C'est maintenant ou jamais, cette game va définir entre guillemets qui va accéder à la victoire. Soit c'est BDS. Soit la Carmine vient chercher leur troisième victoire. Et si c'est le cas, BDS serait très peu en confiance pour le dernier match. Bah si malgré le BO, enfin le timeout demandé, Carmine arrive quand même à gagner ce match. Même s'ils gagnent de justesse quand même, parce qu'ils ont gagné 3... ont gagné 2-1 et là 1-0. Ouais. Je crois qu'ils ont gagné deux fois d'un but d'écart. C'est très très juste, c'est vraiment des matchs très serrés. Ça ne joue à rien. Mais ça mettrait mal en confiance BDS si la Carmine venait chercher leur troisième victoire. Ils ont gagné les trois premiers. Carmine qui gagne les trois d'après malgré le time-out demandé. On pourrait les mettre en difficulté pour le dernier match. Ça pourrait les mettre au fond, mais bon là... C'est maintenant que ça va se jouer. Game numéro 6. Au niveau de la philosophie. C'est quoi cette technique pour avoir le ouais, kick-off pour avoir kick-off. C'est quoi cette technique de ok, je veux le faire. Attention ici, le kick-off qui est récupéré par BDS. Ouais, est-ce qu'il la remet au centre sur Drali? Attention exotique ici qui est très dangereux. C'est sur Drali. C'est défendu pareil dans les airs ici qui vient chercher une grosse frappe sur Ato. Malheureusement qu'il n'a pas réussi à aller chercher la double tape. Ato qui la remet sur Ryze. Ryze qui se fait démo. Exotique qui n'a pas de boost. C'est défendu par Ryze. Le contrôle de Drali qui la remet au centre. Attention, au niveau de BDS, il n'y a plus vraiment de défense. Le flip reset qui est récupéré par Ryze. Ouais, attention, cet open ici raté par Drali. Oh, il faut dégager cette balle. Va tirer à la loupe. Ryze ici qui vient cut le bump ici cherché par Vatira, c'était bien joué. Oh, la frappe ici d'Ato qui est défendue par Exotique. Ouf, le Lucas.
Drali, ici, qui vient chercher. Battu, qui la remet en plein centre. Heureusement, ça récupère Paris. Va tirer sur le côté, qui va tenter d'aller la mettre, je pense, au mid. Peut-être pour un. Ah, Ato qui avait. Rice qui avait suivi de près, Ato la frappe. Vatira qui la remet au mid. Rice le shoot. Pour Rice qui laisse la basse passer pour Vatira. Même on moi, a déjà vu ce tir de Rice qui en fait laisse passer la balle pour le joueur qui est au sol. Allez les gars. 1-0, 3 minutes 3 minutes 04. Ce n'est que le début. Enfin, c'est le milieu du début. Ah, c'est bloqué. Ici, pas à tôt. Sur exotique. Monkey Moon, quel contrôle. Vatira qui avait près de jump, mais il est pas parti dans les airs. Ato, 26 de boost, il est tout seul, c'est bloqué par Drali. Rice qui vient se mettre en situation de contre. Attention, il y a beaucoup de joueurs assez proches. Et du coup, ça laisse à Monkey Moon l'opportunité. Que faisait Vatira et Rice au même endroit sur la balle? Double commit ici. Ato qui passe pas loin quand même de là-haut. Égalisation de BDS un partout. But du Saint-Julien. Bien joué. Gros kick-off de la barre de cassé, mais c'est récupéré par les BDS. Rise. Oh le bump ici d'Ato qui permet au Vatira de marquer ce but. Et de remonter au score de 1-1. Ato qui vient atomiser Monkey Moon et laisser open net à Vatira. Et au cas où, il a frappé de rallye en passant. Attention, c'est récupéré ici par Exotique. Ça va être défendu par Rise. Il n'y a plus personne. Si, je n'ai pas vu le joueur qui a défendu cette balle. Attention, Monkey Moon ici, il n'a pas de boost. Rise l'a récupéré. Ato dans les airs face à Drali. C'est défendu par Vatira sur le backboard. Le 50 récupéré face à Monkey Moon. Vatira qui l'a mis sur le backboard. C'est renvoyé par Drali. Ato le sailing et qui loupe cette balle. Mais qui met la défense en difficulté de BDS. Mais qu'est-ce qui se passe du côté de BDS? Ouais, ça panique un peu. Attention, l'open raté par Vatira. BDS qui reprend le contrôle un peu de cette balle, qui continue à forciner. Rice qui feinte. Qui laisse la balle, Monkey Moon. Ato. Qui vient chercher l'arrêt. Balle au mid récupéré par Vatira encore. Non, mais ça revient très vite de l'autre côté. Un clear de la part d'Exotique. Attention, c'est un 2v1. Rice qui gère plutôt bien son 2v1. Ato, le reset. Ato, le reset Musty qui vient s'arrêter sur la crossbar. Qui lui dit? Ato, tout seul, dans les airs, c'est bloqué par Monkey Moon. Exotique, dans l'axe, Rice qui la récupère. Rice, dans les airs, Ato, qui vient chercher cette balle. Dans le corner, il va chercher des bumps. C'est récupéré par Rice. Défendu par Exotique sur le backboard. Ato, grosse frappe sur le sol. Malheureusement... Rise se fait des mots. De rallier sur Rise. Exotique qui prend pas mal de 50-50 favorables en sa faveur. Rise qui va chercher un 50 pour éviter la contre-attaque. Qui va chercher un deuxième 50 pour éviter encore. Qui récupère un boost pour aller chercher un troisième 50 avec une démo. Et récupère encore une fois la balle. Attention, Monkey Moon ici qui peut être dangereux. C'est défendu par Vatira. Il faut pas se laisser surprendre. Rally qui la met de l'autre côté. Vatira qui la récupère, qui tire dans l'axe directement. Défendu par Exotique. Monkey Moon qui la remet dans l'axe. Et c'est touche le sol pour la carbine qui revient ici. 3-3. Vas-y. Vas-y, garçon. T'es grand. On ne commentera pas la malveillance de Ato qui a voulu leur mettre un salmon. Avec ce reset Musty. Oh la Carmine qui vient chercher ici l'égalisation dans ce BO qui met au fond la confiance de BDS. Qui avait gagné les 3 premiers matchs, il ne restait plus qu'une game.
Il y a eu deux timeouts qui ont été visiblement la faveur de Carmine. Ils sont revenus au score. Et maintenant, ça va se terminer sur la dernière game de ce BO. Oh, on voit là la Carmine qui a dominé le match. Atto avec 6 tirs. Comment ça, Grimes, il finit avec 84 points. En fait, il a passé son temps à chercher 50-50, c'est ça? Ouais, c'est ça. Rise, il était en mode... Ouais. Mur. Vous passez pas. Si la balle vient chez nous, ma mère, c'est une pute. Ok? Le gars était au milieu de terrain, il a dit... Oh, c'est pas. Recule. Allez. Allez. Allez, c'est parti. La game 7 qui va pas tarder à commencer. Les joueurs sont prêts. Oh, putain. Oh, j'ai l'impression! Tu sais, il y a 3-3, pareil que Mate Vita. Mais c'est pas le même match. Les jeux jouent tellement bien que il peut tout se passer en fait. Ok, la balle pour Batira qui va peut-être aller chercher une balle au sol. Ah, et démo de Ryze qui continue son pressing offensif. La défense de Ryze ici sur le backboard qui va récupérer le flip reset. Il va pas pouvoir la continuer, mais il va chercher une bump. Une bump. Je voulais inventer des mots. Je pense que je vais devoir me mettre debout parce que là je vais pas pouvoir. Je ne tiens plus en place. Vatira sur le wall qui la remet dans l'axe. C'est la démo du côté BDS pour empêcher. Qui arrive à esquiver une démo. C'est dégagé par Monkey Moon mais directement récupéré par Ryze qui a tout le boost nécessaire pour continuer cette balle. Attention, il n'y a plus personne en défense du côté de Carmine. C'est remis dans l'axe, mais défendu par Atto. Ça va la remettre sur Monkey Moon. Mais le 50-50 parfait qui a été récupéré. Oh, la frappe d'Envatira pour la lucarne. J'en perds mes mots. Mon français en est chamboulé. Si tu veux, si pour la finale, je prendrais le relais sur le commentaire un petit peu. Oh, Atto ici qui vient chercher le 50-50. C'est ça. Vas-y. Le joueur de Nantes. Le 50-50 face à Drali. 134 km/h sous la crossbar. C'était à 70 à 30. Oh, le choix osé de ne pas aller au kick-off et de laisser Vatira y aller. Mais qui allait chercher une démolition? C'est open. Et c'est open. Atto qui vient mettre cette balle de l'autre bout du terrain parce que Vatira est venu anéantir la défense adverse. Oh là là. Vas-y. C'est 2 ça. À 0 pour Carmine. What's the color? Blue, blue, blue. Oh, let's go. Allez, attention. Attention, cette balle peut être dangereuse. Se reposer sur ses lauriers. BDS Alania qui ne veulent pas se faire river sweep. Ils avaient la finale dans la poche quasiment. Ryze qui est tout seul, Vatira qui décide vraiment de faire chier BDS et d'aller les bump. Attention, cette balle qui peut être en faveur de BDS est récupérée par Vatira qui récupère le reset. Ryze. Oh, Vatigoat. C'est récupéré par Drali. Attention, la démo sur Atto. Ryze qui récupère cette balle. Il va lire le rebond. C'est défendu par Exotic. La démo sur Vatira, Ryze qui est obligé de se battre parce que du coup il n'y a plus personne en attaque pour. Attention, Vatira est tout seul en défense. Pour la Carmine. Il gère plutôt bien, Vatira. Ouais. Oh, Vatira ici côté, Vatira... Oh, Vatira, c'est défendu par Drali. Ils sont réveillés, c'est bon, ils vont chercher des réseaux de compétences. Oh, attention, cette balle qui peut être dangereuse, c'est défendu par Vatira qui la remet loin devant, qui la récupère directement. Le corner read. Attention, Atto. Atto, le Messi, c'est défendu par Drali. Quelqu'un lui a attention, il n'y a plus personne en défense. Ryze qui contrôle. C'est remis directement sur Atto. Atto qui va faire la relecture. Non, il la laisse passer. Ryze qui va chercher la démo pour Vatira ici. Qui vient anéantir la défense adverse. 3-0. Ils ont pris le contrôle du match. Par contre, qui a pris le respect à Atto? Parce que depuis tard, tous ces moves, c'est un musty à la fin.
Attention, le kick-off s'est remporté par la Carmine. Le double 50-50 de Ryze et c'est défendu par Monkey Moon de la frappe de Vatira. Le wall read de... Oh, j'espère vraiment qu'il va y avoir une pause parce que là... Je meurs. Je meurs, là, j'en peux plus. Attention, Drazi, la grosse frappe. La démo. Oh, le multiple bump ici. Ils ont décidé d'adopter, on dirait, la même technique de la Carmine. Double démo, bump. 1 minute 40, 2 buts de Exotique qui vient chercher le but. La Carmine a encore 2 buts d'avance. Bon, 1 minute 40. On peut avoir 6 buts. La démolition sur Monkey Moon. Oh, la défense. Sissi qui va chercher un gros pinch. Oh, le pinch est défensif. Ok, Atto. Atto dans les airs, qui s'est fait bump, mais qui réussit quand même à contrôler la balle. Atto, ici, qui la remet pour Vatira. C'est dommage, c'est au-dessus. Ryze, exotique, qui l'arrête. Attention, cette balle peut être dangereuse. Atto qui peut être battu. C'est bon, il la met de l'autre côté. Vatira qui a tout le boost nécessaire, il part dans les airs. Il passe un premier joueur, il va faire la démolition ici pour le quatrième but de la Carmine. Vati mon petit. Vati Goat qui va chercher la démolition sur mon Kiboon. 1 minute 6 restante et la Carmine mène de 3 buts. Attention à ne pas se reposer, pareil sur ses lauriers. Ça... Atto ici qui vient chercher un joli 50-50. Ah, et c'est la double tape qui est venu chercher par Exotique. Double tape du coup. Drali et non, la double tape d'Exotique qui vient la mettre au fond des filets. 4 à 2, 59 secondes. Rien n'est terminé tant que le compteur n'affiche pas 0 seconde restante. Vatira tout seul. Vatira tout seul pour Ryze qui va la mettre. Il est puni directement. Vatira qui fake ici pour laisser Ryze venir la mettre au fond des filets. 5 à 2 pour la Carmine, 52 secondes. Mais ça s'arrêtera donc jamais. 52 secondes, 5-2. Ryze qui gagne son kick-off. Atto tout seul dans les airs, c'est défendu par Drali de justesse sur la ligne. Exotique est tout seul qui va pouvoir chercher une double tape qui est défendue par Atto de justesse sur le backboard. Attention Atto sur la ligne encore une fois. Il va tirer, mais il y a Ryze derrière. Ryze qui la défend. C'est pris en charge par Monkey Moon. Atto. Ça joue défensif pour le moment. Drali va tirer. Le premier flip reset, c'est défendu par Exotique. Atto qui la remet dans le corner. On entend les commentateurs anglais qui sont aussi détruits que nous face à ce match. 7, 6, 5, 4, c'est fait. Ryze qui va chercher. Ils le savent, c'est terminé, mais ils veulent mettre un 16e but ici. Atto. Le reset qui va la mettre au sol et c'est la victoire de Carmine qui part en finale, le river sweep. Ils perdaient 3-0, ils sont revenus 4-3. Finale de Carmine Corp face à Gentlemates. Ils ont enterré BDS qui menait. Oh, mais BDS, il fait tellement bien, par contre, c'est horrible pour eux. BDS sont détruits. L'année dernière, c'était contre n'importe quelle équipe, ils passaient en finale. Mate versus KC. Léger avantage pour KC. Ah, la KC, ils sont on fire, hein, bien évidemment. Gentlemate, ça a pu se reposer. Mais la Carmine, ils sont on fire après cette remontada exceptionnelle face à BDS. Mate Vita, il y a 3-3, là il y a 3-3, mais c'est pas du tout le même match. Ah non. Il y a beaucoup plus d'intensité de jeu du côté de KC et BDS que Vita et Mate. En fait, il y avait 3-3 parce que deux équipes faisaient beaucoup d'erreurs. Oui.
Oui, mais Vita là, vraiment, c'était un 1v3 pendant longtemps. Casser BDS, c'est vraiment, c'était serré. Je savais que c'était il y avait très peu gros match qui allait être fait. Bah, BDS qui était mal rentré dans ses Suisse rounds en commençant par une défaite sec face à Mate. Ouais. Qui du coup, ça les a un peu réveillés et derrière, ils ont enchaîné. Et là, ils allaient enchaîner. Ils étaient en 0-3. Ah, ils allaient peut-être potentiellement 4-0 la casser. Mais la casser, il faut pas les enterrer trop facilement. Ils sont revenus. Bon, faut que je fasse une pause. Je sais pas quand est-ce que va reprendre pour la finale. Je sais pas s'il va y avoir un temps de pause suffisant. Moi aussi, je pense que je vais aller. Mais là, il faut que j'aille remplir la bouteille d'eau. Il faut que j'aille vider la vessie. Il faut que je repose un peu la voix. Parce que là. Je sens que ça commence à être compliqué. Demain, je vais avoir la voix, elle va être explosée. D'accord. Ok, il y a 6 minutes de pause. Oh, les pauvres. Carmine qui enchaîne 2 BO7 de suite comme ça. On va se laisser. On va laisser les 4 minutes de pause également. Le temps de se ressourcer pour cette finale qui s'annonce du coup quand même. Ah, je sens que ça va jouer. Je le sens, ça va jouer.